Quelques gouttes d'Orangina à la pulpe d'orange suffisent pour astiquer et lubrifier votre bolide, quelle que soit sa taille. Orangina, naturellement. Salut à tous, on se retrouve pour le premier épisode de Comment survivre en survivant. Alors, je suis en compagnie de Vincent9144. Salut Vincent. Donc, on va vous montrer comment survivre, enfin toutes les astuces et comment créer votre maison, les astuces, etc. Ouais, voilà. On va commencer par faire un petit accéléré. On va couper du bois. Donc, attention. C'est parti. Donc voilà, on a ramassé 26 et 28 bûches, enfin bois, mais voilà, c'est exactement pareil. Donc d'abord, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous les transcrivez comme ça en planche. Vous voyez, je vais en garder toujours pour faire du charbon de bois. Ah, tu m'as fait quelque chose. Oui, voilà, donc ouais, je vais te les rendre. Voilà, il faut une. J'en garde une parce que j'en ai pas gardé pour le charbon de bois. Je me suis craqué. Mais bon, voilà. Donc ça va être la nuit, donc on va faire un abri vite fait. Je sais pas, dans la montagne par exemple. Si vous avez pas de montagne, vous faites dans le sol. Avec votre bois, vous faites vite fait une maison. Bon, alors pour faire une pioche. Moi j'explique en parallèle. Vous prenez votre bois, vous le séparez en deux, vous faites des bâtonnets. Voilà, vous en prenez un seul. Faire un tablier. Ensuite, vous faites une table de crafting. Voilà. Vous en mettez quatre, vous la ramassez, vous la posez, vous allez dedans, clic droit, vous posez deux sticks, vous en posez trois planches de bois comme ceci, vous prenez vos pioches et vous minez. Bon, je fais des portes ou... Non, tu me passes de la pierre? Ouais, je t'en passe des trucs. De la cobble? Oui, de la pierre. Oui, c'est 3, ça suffit. Ouais, c'est bon. Je bon, voilà, ça devrait suffire à peu près. Donc maintenant, on va faire des torches. Donc, comment faire des torches? Alors, ça, c'est... Enfin, c'est pas plus compliqué, mais... Il vous faut du charbon. Le charbon, il faut faire cuire le bois ou en ramasser un minerai. Donc, comme on n'en a pas, on ne peut pas en faire. Ah, pardon. Donc, il va falloir se dépêcher parce qu'il fait déjà bien nuit. Il y a peut-être des squelettes. Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu, en monstre, il y a Creeper. Il explose quand vous le regardez. Oui, voilà. Il y a squelette qui vous lance avec un arc des flèches. Et il y a également voilà, des zombies, exactement. Les zombies, bon, ils font pas très mal et ils sont pas rares. Ah oui, c'est pas. Et le pire, moi je trouve que c'est les pires, les araignées. Et il y a aussi les Enderman. Oui, voilà, le nouveau monstre du jeu. C'est un pauvre, le Enderman. Vas-y, fais un four. Donc le four, vous prenez votre inventaire, vous en mettez tout autour sauf au milieu,
et enfin vous mettez tout autour sauf au milieu de la cobble, donc de la cobblestone. Donc voilà, vous voyez, le four s'est allumé. Donc il fait cuire du charbon bois. Donc nous allons pouvoir faire des torches. Donc je vais en prendre un seul pour vous montrer. Je ressors deux secondes. Voilà, donc vous prenez votre inventaire, enfin votre inventaire, votre table de crafting, vous en posez un comme ça, et vous mettez votre charbon au milieu. Ça vous fait quatre torches. Donc pour l'instant le four éclaire, mais c'est pas grave parce que les torches n'ont pas pour l'instant de durée. Ce qui pourrait bien l'être dans les prochaines pré-releases. Et les torches sont détruites au passage de l'eau, hein, si vous en mettez, ce qui pourra permettre de faire des pièges. Tiens, viens ici, il y a du charbon. Allez, d'accord. Ouais, ok. Bah, par contre, j'ai pas de pioche, il faut une pioche en pierre, donc vas-y, t'en as. Tiens. Voilà, merci. Oui, les minerais Faut les prendre avec une pioche spécifique. La pierre, vous pouvez la prendre en bois, le charbon en bois, je sais pas. En pierre, ça c'est sûr. Avec le minerai, le fer, vous pouvez prendre de l'or, du diamant, tout sauf l'obsidian, où il faut spécialement une pioche en diamant. Voilà. Les pioches en or, par contre, c'est presque aussi fort que les pioches en bois, donc ça sert un peu à rien. L'or sert juste à faire des pommes en or, j'ai déjà trouvé des pommes, surtout. Et pas mal de choses. Des armures aussi. Ouh, 52 torches. Bon, on sort un peu juste pour montrer. Ouais. Ouais. On va mettre des torches au cas où. On sait jamais. Ouais, qui spawnent dans la maison. Ouais, ils sont des rois du monde parce que les amis, les monstres ne spawnent pas à la maison. C'est toujours avec des torches à l'intérieur, car là-bas il y a des zombies. Ah ouais. Vous voyez là-bas, c'est un zombie. Et le squelette là, gris que vous voyez sautiller là partout, c'est un squelette. Ah oui, pour information, la barre que vous voyez des petits cœurs en bas là, c'est votre vie. En peaceful, vous reprenez de la vie quand vous mourrez, mais faut quand même faire gaffe. Ouais, bah, je vais dire. Aussi, la barre, vous voyez des cuisses. C'est votre barre de faim. Voilà. La barre de faim, il faut la recharger, parce que si vous n'en avez plus. Ah, j'ai plus qu'un cœur. Ah! Si vous avez plus de cuisses, vous mourrez. Ah! Non, on peut pas mourir de faim, mais vous perdez pas mal de vie. Oui. Bah si, enfin si on... Ça dépend en fait. Et normalement on peut pas. Après une petite parenthèse, je vous conseille pas de mettre le mode hardcore, parce que hardcore c'est vous perdez votre map si vous mourrez. Et quand même, quand on s'y connaît pas dans le jeu... Bah bon, il y a pas tout ça. Ouais, voilà. Je vais poser quelques torches histoire... Oula, creeper. Vous voyez, c'est un creeper. Donc j'espère qu'on va entendre le pchit, écoutez. Ah, bah voilà, on a entendu le pchit et il a explosé en même temps. Donc voilà, il y a eu un bug. Un petit bug de serveur. Bon, bah il a explosé du bois, hein. Je vais le ramasser. Hein. Voilà. Bon, des torches, je ramasse. Ah oui, il y a des chiens aussi. Ouais. Vous pouvez, avec, quand vous tuez des squelettes ici, vous pouvez prendre bah, des fois, il fait gaffe derrière toi, il y a un creeper. Oh. Oh, carrément, il est parmi. Donc il vous donne des os. Vous pouvez les mettre dans la table de crafting et en faire la poudre d'os. Qui peut servir pour faire pousser des plantes plus rapidement. On vous montrera quand on fera une séance sur l'agriculture. Et aussi pour faire un c'est un colorant blanc. Pour faire de la laine plus claire. Comme si vous mettez du noir avec du blanc, ça fait du gris. Ouais, voilà. Et en colorant, par exemple, je vais vous montrer, hein. C'est une fleur rouge et jaune. Vous voyez là, j'ai un colorant jaune, ça en donne deux.
et là, un colorant rouge. Quand je les mets tous les deux l'un au-dessus de l'autre, ça donne du orange. Ça donne le mélange. Et donc, il y en a plein. Du rouge, du violet, du vert. Le vert, c'est le cactus, par exemple. Pour le faire cuire. Le noir, c'est des sortes de calamars qui sont dans l'eau. Si vous les donnez, quand vous les tuez. Et dans les nouveautés, dans la version 1.0, les moutons, ça ne sert plus à rien de les tuer. Enfin, il vaut mieux prendre, avoir un outil spécifique qu'on vous montrera, qui permet de prendre plusieurs lignes. Il va falloir absolument trouver de la bouffe, parce que moi, j'ai plus de 10, j'ai plus de cœur. Bah, moi, j'ai, comme tu vois, j'ai plus de barre de, j'ai qu'un demi-cœur et plus de barre de faim. Et je ne meurs pas, parce qu'on ne peut pas mourir de sa faim. Ah, je ne le savais pas. C'est pour ça que je me suis craqué tout à l'heure. Tiens, il y a de la canne à sucre, je vais aller la ramasser pendant que... Oula, il y a un squelette. Aïe, 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 j'ai un demi-cœur. Faut pas que je meure. Il faut que je monte, il faut que je monte. En plus, le squelette a un arc, ça ne m'arrange pas du tout. Je peux me tirer de loin. Bon, je vais prendre un peu de hauteur, espérant qu'il n'y aura pas d'araignée. Bon, notre abri va nous servir plus tard comme mine, hein. Comme ça, on connaîtra déjà un peu les lieux. Et ce qui est temps. Il y a plusieurs étages quand vous minez, il y a... À l'île, là. Il y a un étage où on peut trouver de 0 à 10 blocs en dessous, la profondeur. Vous pouvez trouver du fer, du charbon, dans tous les autres aussi, d'ailleurs, du fer du charbon. Encore un peu plus bas, vous pouvez trouver vraiment plus bas, par contre, de l'or et de la redstone, vraiment à côté de la lave, la redstone, par contre, et du diamant. La redstone, c'est un fil d'électricité. Oui, qu'on retrouve beaucoup dans les anciennes vidéos. Oui, voilà. Bon, il y a du vent, on va peut-être sortir. Et trouver un peu de la bouffe. Ouais, j'ai déjà un peu de bouffe. Si on trouve pas, sous quelques temps, on fera un petit accéléré, jusqu'à ce qu'on trouve. Il y a une poule. Deux poules. Alors, ouais. Bon, il y a absolument rien. Quoi, et quand vous n'avez plus votre barre de faim, vous ne pouvez plus courir. Donc, on peut courir en faisant, selon votre touche, par exemple, moi, aïe. Ah, bah voilà. C'est deux fois W et l'autre, c'est deux fois Z. Bon, je sais attends. Est-ce qu'on est où? Je sais pas exactement. Ça change de nom. Ouais, je vais me téléporter, hein, petite parenthèse du serveur. C'est le serveur multijoueur, on peut faire ça. Bon, je vais y aller très très vite. Ouais. Je me suis craqué. Vite de me téléporter. Gros fail. Ouais, ce serait con. Voilà. Bon, il y a un bug de chunk, hein. Comme d'habitude, il faut attendre. Que ça se charge. Vous voyez, il y a déjà quelques blocs là-bas, donc ça va pas mal. Donc, en attendant, moi, je vais prendre du sable. Donc, le sable, quand on le cuit, ça donne des vitres. Avec les vitres, on peut faire, Non, du verre. Verre. Et avec, justement, bah, le verre, on peut faire des vitres. Bon, moi, je vais ramasser un peu de canne à sucre. Parce que la canne à sucre, ça se multiplie quand vous la portez, donc c'est bien. Bah, 3 maximum ou 3, ça dépend. Ouais. Et ça vous fait du sucre. Et le sucre, ça peut faire des gâteaux, Des cakes. Voilà. Oui. Il y en a pas. Tous tes trucs là sont ici. Ah, ouais, c'est vrai qu'il faut que je les récupère, parce qu'on est quand même en survival, non? Et une partie des objets disparaissent avec le temps. Hein. Ouais, surtout que là, il y a un bug du serveur, donc je pourrais pas, par exemple, ma pioche. Ah, si, je l'ai récupéré. Non, mais je l'ai récupéré, c'est bon. Récupérer plein de mes objets. C'est pas l'ordre de tout. Au niveau des torches, c'est la spécificité spécifique. Non, mais là, on l'a reçu en même temps. Ah, je vais passer une touche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est à toi. Tout ça, toi. De la pierre, c'est à toi. Non. C'est du bois.
s'en occupe. Voilà. Et je sais pas, c'est où tout notre bois, en fait. Ah oui, merde, j'ai perdu un stuff ennemi de bois dans cette petite malencontreusement de cette rencontre malfaisante. Enfin, de cette rencontre. Je suis tombé. Oui. De ce fail, voilà. Là, il y a un stack de bois. C'est toi qui as fait la tour de cobble, là? Non, ça doit être ma chance. Oui, bon, on est sur un serveur multijoueur, donc voilà. C'est normal. Il y a des petites surprises, hein. Bon, viens que je te crache du bois. Bon, on va pas le ramasser, hein, la cobble, parce que c'est pas normal. Bon, on va commencer par une petite maison, c'est simple. En base en cobble, je pense. T'en as ou pas? Ouais. Mets de la cobble, toi, et moi, je mets du bois. Bah, j'ai une petite maison. Ici, c'est bon. Voilà. Ouais. Donc, moi, je repasse dessus. Voilà. Une petite maison va vous montrer le style. En fait, une maison avec côté père, c'est plus pratique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pour la porte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop là. Comme je suis mort, j'ai retrouvé toutes mes barres de vie. Et de pratique. Peux-tu le boucher le trou avec de la bouse, c'est pas mal. De la bouse, oui, j'en ai 6, mais j'en ai un seul. Donc, comment faire une porte? Bah, je te laisse faire, ça. Ah oui, une porte. Alors, on va refaire une table de crafting ici, hein, pour que ce soit plus pratique. Mets-la en dehors de la maison, parce que c'est... Ouais, c'est mieux. On va la mettre juste là, pour l'instant. Donc, une porte, vous mettez... comme ça. On peut les faire en fer et c'est le même type de crafting. Oh, tu fais une porte comme ça, toi? Moi, je préfère en mettre deux, ça fait plus de pression. Ouais, bah si tu veux. Je n'ai plus de bois. Je vais aligner. Du bois. C'est la nouveauté de mon porte. Attends, est-ce que j'aurai assez de bois? Bon, on ira en reprendre un petit peu. Hein. Un étage 3-4, on va vraiment sauter. C'est mieux. Oui, bon. Il faut pas que ça fasse trop à la platine. Bon, c'est une maison un peu cubique. Hein. Attends, c'est pas fini. Là. Oui. Bon, alors là, je vais perdre de la vie. Voilà, ok. Donc, si on parlait des portes, en fer, ne peuvent être ouvertes que avec des pistons. Alors, une petite... quand vous faites un toit, commencez toujours par faire un quadrillage, parce que la nuit, si vous en avez besoin très très vite, les araignées ne peuvent pas passer à travers un trou de 1. Donc voilà. De 2 aussi, je pense. Ils sont un trou de 2. Oui. Et donc. C'est 2 de l'argent. Tu vois, on apprend beaucoup de choses. Oui. Et donc, voilà, les fers avec des bouts, le porte en fer. On les ouvre avec des boutons, des leviers et des plaques de pression, soit en bois, soit en stone. Donc la stone, on prend la cobblestone, on la met dans le four, on la cuit avec du bois ou du charbon. On peut cuire avec tout ce qui est fait avec du bois. Par exemple, avec des sticks, c'est des bâtons de bois. On peut cuire presque tout et n'importe quoi. Je vais prendre un petit peu de bois, moi, pour finir cette arme là, parce que quand il reste un trou dans un arbre, des fois il reste, c'est bien moche. Vas-y, fais un pot. Alors, je vais. Ça me donne plus de bois. On va faire cuire du bois, en fait. Là.
Bon voilà, j'ai pas assez de bois, mais c'est pas grave, on va boucher avec de la glace. Ah, génial. On va pouvoir se couper cette blouse. Ah, ça se fait avant que j'ai eu le temps de péter. Ouais, c'est moi qui pète tout. Oui, je sais. Je vais faire une peine, hein. Voilà. Donc, on va se faire une petite maison avec quelques torches et après un petit bug. Je vois que je n'ai plus de batterie. Donc, je vais, donc il me faut 2 secondes. Ah, vas-y. On va dire, je vais taper. SVP, SVP. Donc il faut aussi verre, donc glace, en anglais, désolé pour mon accent. Vous les mettiez comme on porte, donc tu referas Excel pour me montrer, mais en version horizontale. Ouais. Et ça vous donne 7 glace pain. Excusez-moi. Ah voilà, je me disais bien, la luminosité est éliminée. Ça lag un peu. Voilà. Donc de 2000 PV une pêche. Ouais, ouais. Donc je pense qu'on va aller chercher du bois pour passer un autre épisode pour faire le toit. Parce que bon, elle est un peu carrée, hein. On va faire, voilà, donc ce sera pour un nouvel épisode, le toit d'une maison et comment, faire de la déco à l'intérieur. Voilà. Donc on vous dit, salut, à bientôt, merci d'avoir regardé. Allez, salut, bye! Sorry, man. Hey, découvrez Original Rastaman Saveur Tropical. Man, we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up.